Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette interview exclusive que nous réalisons en direct de Goma, c'est Congo Live Télévision. Vous le constatez, ça fait longtemps que nous n'avons pas reçu monsieur docteur Patrick Mahala. Docteur, bonjour et bonne arrivée. Bonjour et merci. Ça fait un moment. Oui, on n'était pas sur place, on a eu un long séjour de travail dans la capitale Kinshasa et on est déjà là. L'un de nos meilleurs analystes. Aujourd'hui, vous êtes à l'Union Sacrée, il faut le préciser. Nous l'avons toujours été, dès les premières heures, c'est nous. N'oubliez pas que j'étais le premier coordonnateur provincial de l'Union Sacrée. À mon retour, il fallait vite faire cette passation d'abord de pouvoir, parce que mon mandat avait atteint sa fin. Il y a eu cette passation de pouvoir avec le nouveau coordonnateur provincial, la personne de Stéphane Machoukan ou de l'UNC, avec qui nous avons fait cette passation. Et vous êtes de quel parti politique ? Nous demeurons dans la génération 4 du président Fumu Tchamba Gaston. Oui, la génération 4. Voilà, aujourd'hui nous allons en tout cas revenir sur différentes questions d'actualité politique, sécurité et économie, s'il faut les préciser. Mais nous commençons par cette actualité. La RDC a été en tout cas admise dans EAC. Et c'est depuis avant-hier. Comment vous, personnellement, en tant que Congolais, vous avez reçu cette information? Parce que la RDC se retrouve déjà dans cette communauté. Il faut rappeler que c'est depuis 2019 que le chef de l'État Tshisekedi a lancé la demande en fait que son pays soit aussi fait pour que son pays soit bien sûr admis dans EAC. C'est quoi votre analyse? Oui, l'analyse est tellement simple dans ce sens où il faudra comprendre que nous sommes un grand pays, un pays géant, et on ne peut pas vivre à vase clos. On ne peut pas vivre à vase clos parce que dans la modernité, il est appelé à collaborer avec tous les autres pour pouvoir se compléter, parce qu'il n'y a aucun pays qui se suffit à lui-même. Et en deuxième lieu, il faut comprendre que déjà, nos pays vivait déjà dans cette organisation, l'Est Africa Community, parce que les Rwandais viennent au Congo, le Congolais au Rwanda, au Burundi. Quand vous êtes plus ici à l'Est, vous sentez que la zone Est constitue un point chaud, un point fort sur le plan commercial. Donc les populations s'étaient déjà intégrées, les populations étaient déjà dans la coopération sans que les États ne puissent s'harmoniser. Donc ce que le chef de l'État a fait, c'est juste renforcer ce que les populations sont en train déjà de faire. Nous vivons chaque fois dans ces commerces transfrontaliers un peu partout, grâce au port de Mombasa, grâce à Dar es Salaam. Beaucoup de biens entrent en République démocratique du Congo. Beaucoup de biens aussi de la République démocratique du Congo sortent d'ici vers ce pays. Il y a eu cette formalisation. Mais il faudra prendre ça aussi avec, pas des pincettes, je dirais, apporter cette approche plus prudente, technique, pour que le marché soit équilibré. Parce que quand nous parlons de commerce, nous voyons le marché, c'est plus sur le plan économique que sur le plan commercial. Il faut que ça soit équilibré. La plupart de ce pays de l'Afrique de l'Est, disons-nous la vérité, nous ont déjà dévancé sur le plan commercial, sur le plan infrastructurel, dans leur harmonisation, dans leur organisation. Ils ont fait que c'est facile aujourd'hui de quitter Dar es Salaam, par exemple, pour atteindre Nairobi par route. Il y a le chemin de fer qui est en train d'être construit. Nous voyons, ils ont des aéroports tellement modernisés. Nous voyons les infrastructures. Tout le monde a tendance à envier l'Est de l'Afrique. Nous pensons que c'est bénéfique aussi pour le Congo. Alors, nous étant un peu en retard, je sais que nous allons profiter plus le temps des investissements, c'est-à-dire la plupart de ces pays viendront investir ici. Pour quelles raisons? La première raison, elle est d'ordre de marché. C'est-à-dire, le Congo aujourd'hui avoisine 100 millions en termes de population. C'est-à-dire, c'est un grand marché pour ces pays en République démocratique du Congo, que ce soit la Tanzanie. Elle aura à produire vite pour venir vendre au Congo. Mais il ne faudrait pas que ça soit à sens unique. Il faudrait maintenant qu'on prenne ce deuxième angle, c'est lui, de pouvoir permettre à ce que nous puissions produire. C'est-à-dire que le pouvoir congolais devra étudier les mécanismes
de production intérieure. Parce que la production nationale, elle est trop faible. Nous devons produire dans plusieurs secteurs. Les secteurs les plus prioritaires et faciles, rapides, ce sont des secteurs de technologies simples. Pourquoi ne pas fabriquer, par exemple, des ventilateurs, fabriquer, par exemple, des frigos? Il y a des technologies simples que nous pouvons monter sur place qui ne demandent pas des matières premières venant de l'extérieur. On peut les faire sur place et vendre, parce que déjà, les 9 pays limitrophes qui entourent la RDC sont le premier marché. L'East Africa Community, c'est déjà un autre grand marché où nous pouvons apporter ce que nous produirons sur place. Sur le plan agricole, on doit lancer cette campagne de révolution, pas seulement culturelle, mais aussi agricole. Sur le plan culturel, nous avons de la musique, nous avons du théâtre, nous avons notre folklore, nous avons notre culture, nous avons l'art congolais que nous pouvons vendre dans tous ces pays-là. Donc il faudrait que le pouvoir congolais puisse encadrer la plupart de ces artisans et artisanaux pour voir comment vendre leurs produits dans tous ces territoires. Il y a plusieurs opportunités, même touristiques, plusieurs possibilités ou potentialités, même agricoles. Nous avons assez d'espace, nous pouvons produire beaucoup et vendre, et transformer aussi, vendre à l'extérieur. Est-ce que pensez-vous que si les plans sécurité à la RDC pourra gagner quelque chose, parce que vous savez, c'est presque la RDC qui est l'aine parmi de ces pays qui est souvent victime à des violences des groupes armés? C'est un apport très capital, parce que vous savez, l'insécurité qui existe aussi est causée par le manque. Hein, quand on dit par le manque, c'est-à-dire ce que je cherche qui se retrouve chez le voisin, que le voisin ne veut pas me le donner, je vais chercher à forcer pour avoir ça. Donc le président de la République, dans son esprit managérial, tellement ouvert dans cette vision, tellement grande, large, a fait comprendre, il est en train de nous faire comprendre qu'il faut collaborer. C'est ce qu'il appelle la politique, la coopération gagnant-gagnant. C'est dire, ce qu'ils cherchent, ils le retrouvent chez nous. Ce que nous cherchons, nous retrouvons chez eux. Nous avons besoin de cette paix. Il faudra collaborer avec ces gens. Donc, sur le plan sécuritaire, ils auront du mal à nous faire la guerre. Ils auront du mal à nous déstabiliser. Pendant qu'ils auront investi, pendant qu'ils auront un réel marché ici sur place, ils seront obligés à être le premier à sécuriser ce marché. Ils seront le premier à pouvoir tout faire pour sécuriser leurs produits qu'ils apporteront en République démocratique du Congo. Donc c'est un grand marché. Je ne suis pas dubitatif, et comme certains qui sont restés un peu, bon, ils ont raison, aigris avec tout ce qui s'est passé à l'Est pendant près de 20 ans. Les gens restent sur le plan émotif, mais moi je pense que nous pouvons aller sur le plan rationnel. Sur le plan rationnel, il faut voir grand, il faut voir haut et il faut voir loin. D'accord. Revenons sur cette actualité. Certes, c'est une question qui est toujours d'actualité. Oui, qu'est-ce que Bled de la Monusco a bâti, en tout cas, décédé dans un crash d'un hélicoptère sur un sol congolais. L'armée a accusé le M23 d'être à la base de cela, même si le M23 a démenti cette information. Il y a également l'armée, à travers les porte-parole du gouverneur militaire, qui a présenté des militaires rwandais, selon les porte-parole, ces militaires seraient en train de soutenir les M23. Est-ce que pensez-vous que le fait que des militaires de casque blanc sont tués sur les sols congolais pourra jouer sur la diplomatie entre Kigali et la communauté internationale, parce que on a accusé Kigali de soutenir cette rébellion encore une fois de plus, qui est les M23? Oui, c'est très capital, c'est un problème très sérieux, mais il faudra comprendre que quand la MONUSCO est venue, c'est pour se battre. Elle est venue, c'est pour se battre, mais pas de la manière, dont nous sommes en train de vivre. Ça, ce n'est plus, c'est plus une guerre, ça c'est de la sauvagerie que nous vivons, c'est de la barbarie que nous sommes en train de vivre. C'est là où il y a plusieurs dimensions sur lesquelles il faudrait s'appesantir. Premièrement, c'est le pouvoir congolais qui devra comprendre qu'il est en train de collaborer avec un pays hypocrite. Un pays hypocrite, moi je le cite directement, c'est le Rwanda, qui joue à l'hypocrisie. Parce que de par l'accord d'Addis Abeba, il est interdit à tous ces pays, n'est-ce pas, de la zone, de pouvoir héberger d'abord des forces négatives sur leur sol. Il est interdit à tous ces pays d'utiliser leur sol comme étant des bases arrières permettant aux rebelles de pouvoir menacer. C'est pourquoi le Congo fait tout pour que les FDLR rentrent au Rwanda. S'ils vont faire leur dialogue entre Rwandais et terminer leur besogne, ça les concerne. Ça ne nous concerne pas. Et le Rwanda aussi est appelé à pouvoir retourner chez nous
tous les belligérants qui se retrouvent sur son sol et qui reviennent en République démocratique du Congo. Et le président de la République avait ouvert toutes les portes. Il y a eu même une amnistie permettant à ces gens de revenir. Mais on a senti une certaine résistance. Mais aussi, il y a un problème d'opportunité. Pourquoi ça s'est fait seulement pendant ce moment-ci? Parce que vous voyez, on a senti qu'il y a eu de bonnes relations entre le Rwanda et le Congo. Il y a eu une certaine harmonisation. Mais du coup, on a senti un revirement à 180 degrés, par exemple, du président Kagame lui-même, avec des propos. De propos discourtois vis-à-vis de la République démocratique du Congo. On a vu la réplique du président de Tshisekedi. On a senti qu'il y avait un bémol, surtout quand l'armée rwandaise ou le pouvoir rwandais a compris, n'a pas digéré l'entrée de l'armée ougandaise auprès des FARDC pour combattre le ZADF. C'est-à-dire que les enjeux ont bougé, les questions ont changé dans la zone parce qu'il y a un problème de leadership de la zone, parce que c'est le Rwanda qui avait le leadership, mais à un certain moment, Kagame a perdu ce leadership. Ce leadership revient maintenant à la République démocratique du Congo. Maintenant, quand on reprend le leadership en République démocratique du Congo, on voit d'une part le Rwanda en difficulté avec l'Ouganda, le Rwanda en difficulté avec la Tanzanie, le Rwanda en difficulté avec le Burundi. Aujourd'hui, le Rwanda en difficulté avec le Congo. Le Rwanda se retrouve cloisonné. Étant cloisonné, le Rwanda devait jouer à la politique de la victimisation. C'est sa vieille politique de la victimisation pour faire voir que ce sont des minoritaires, ce sont les autres qui viennent apporter les génocides chez eux. Ils ne font que se lamenter. Donc le Rwanda a compris que son jeu a atteint son aboutissant. C'est fini pour le Rwanda. C'est pourquoi le président ou le pouvoir rwandais veut déstabiliser l'Est. C'est une façon de se faire entendre pour ne pas négocier autour de ses velléités. Mais le président de la République a déjà compris que la voie de la guerre, ce n'est pas la voie unique qui peut apporter la paix, c'est la diplomatie. Vous avez vu Runyoni, Tchanzu, partout là, comment les militaires se sont rétractés, premièrement d'abord grâce à la puissance de notre armée, la puissance de feu qui a fait décarpir ces gens-là, et il y a la diplomatie sur le plan international qui a agi. Nous félicitons là le président de la République dans cette diplomatie. Le Rwanda pensait qu'on entrerait peut-être dans une guerre ouverte. C'est ce que nous avons évité et nous pensons que c'est archaïque. Donc aujourd'hui, on doit comprendre que le Rwanda, qui veut jouer, nous amener sur un terrain auquel nous ne voulons pas jouer, voilà, qui se sont retirés. Mais c'est là où la communauté internationale aujourd'hui doit aussi cesser de jouer à cette hypocrisie. L'hypocrisie selon laquelle souffle au chaud et au froid au même moment. Donc on doit demander à M. Kagame de recevoir l'FDLR chez lui, de faire un dialogue chez lui, qu'ils terminent leur velléité là chez eux. Chez nous, on nous a obligés, ce qui ne s'est fait jamais, un gouvernement qui a défait le M23, on demande à un gouvernement légitime d'aller négocier avec des rebelles qui ont été défaits. Ce sont des choses qu'on ne peut plus accepter. C'était sur Kabila. Oui, c'était sur Kabila, c'est pour dire que les affaires de l'État, c'est la continuité des affaires de l'État. Le chef de l'État n'est pas dans cette posture. Les lois sont claires. Vous êtes rebelles, on vous désarme, ou vous faites la prison, ou vous entrez dans la ville civile. On ne vous permet pas d'entrer dans l'armée. Cette question est déjà résolue par le Parlement congolais. Nous pensons qu'il y a des lois quant à ce, mais que le pouvoir agisse par cette influence de la diplomatie, que le pouvoir rwandais puisse respecter cet accord d'Addis Abeba, permettre à ce qu'il y ait d'abord extradition de tous ces Laurent Kunda, tous ces gens qui sont encore au Rwanda, devraient être extradés en République démocratique du Congo. Et même l'Ouganda avec Jamil Mukulu, qui détenait un passeport congolais, il doit nous expliquer comment il avait eu ce passeport congolais. Il y a tous ces M23 qui traînent là. Pourquoi ils traînent là? Ils doivent normalement revenir et non parler au nom du peuple comme ils le font. Personne ne les a mandatés. Ici, si on veut parler au nom du peuple, c'est par la voie démocratique. D'accord. Politique, 2023 approche, donc les élections approchent, mais plusieurs Congolais se lamentent de la gestion, en tout cas, du président Tshisekedi à la tête du pays. Quelle chance pour Tshisekedi en 2023? Pour le président Tshisekedi, les élections se sont déjà passées, c'est déjà fini. Donc pour lui, il est déjà élu. Il est déjà élu parce que je ne vois pas d'adversaire, c'est-à-dire j'ai fait ce que nous appelons la science prospective. Donc, en termes de projection, je ne vois pas un adversaire face à Tshisekedi. Il y a Katumbi qui est là. Je vous dis, je ne vois pas un adversaire.
je ne sais pas, parler de Katumbi ici. Vous voyez déjà la défection de ses propres députés, de son camp. Vous voyez comment est-ce que la plupart des ministres de l'ensemble qui vous donnent leur ton. Donc, moi, je ne vois pas d'adversaire. Pour 2023, je ne vois pas d'adversaire. Il pourra y avoir 1000 candidats, mais il n'y a pas d'adversaire potentiel, c'est-à-dire un challengeur de taille qui peut affronter le président Tshisekedi. Donc, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, il a déjà quadrillé. Il a déjà quadrillé sur le plan politique et diplomatique, c'est-à-dire la réussite. Hein. Les gens parlent certains des bilans, peut-être il y a des problèmes au niveau social, ça c'est vrai. Mais sur le plan diplomatique, il n'y a aucun concurrent. Sur le plan politique, il a tait toutes les velléités, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sous sa botte. Tout le monde est sous sa botte. C'est lui qui dirige la République. Fayulu s'est éteint, Mouzito s'est éteint. Il y a Moïse Katumbi qui a joué au chaud, au froid, contre lui-même. Je ne vois pas d'adversaire face... Monsieur, disons, docteur Patrick, mais il y a les derniers rapports d'EGEC, donc groupe d'études sur les Congo, son dernier rapport rendu public, place Katumbi comme l'homme actuellement le plus aimé par les Congolais. Et, du coup, le président Tshisekedi, je crois, il occupe la deuxième ou troisième place. Est-ce que vous ne voyez pas qu'en tout cas, la popularité du président Tshisekedi a diminué et du coup, ce sont ses opposants, s'il faut le dire ainsi, qui prennent presque la première position? Moi, je sais que le seul baromètre qui permet de pouvoir classifier les différents candidats, ce sont les élections. On a vu des sondages et des sondages. Même aux États-Unis, les gens pensaient que Trump viendrait président de la République. Même en France, on pensait François Hollande faire un deuxième mandat, bien que dans le sondage, il était au bas de pâquerette. Donc, personnellement, ça c'est personnellement, je ne me fie pas tellement à ces enquêtes, parce que ce sont des faits qui se font sur des échantillonnages qui ne sont pas des fois représentatifs. Et la plupart des fois, ces sondages sont faits dans des centres urbains. Quand vous entrez dans les centres urbains, oui, il y a plusieurs voix discordantes. Mais je sais que le Congo, à 70%, le Congo est représenté par des zones rurales. Aller dans les zones rurales, aller visiter partout, il n'y a qu'un seul nom qu'on connaît, c'est Fatshi Béton. C'est le seul nom qu'on connaît. Mais quand on arrive à Goma, on peut avoir 2, 3, 4 sons de cloche qu'on peut croiser. C'est ce que c'est que ces maisons de sondage, ces sondages font. En 2018, tout le monde savait que... avec les élections suivant les maisons de sondage, Shadar était déjà en tête avec 70%. On a vu toutes ces formes de théâtre, mais en tant que politique, quand j'analyse toutes ces questions, que ce soit dans les zones rurales, que ce soit dans les zones urbaines, je ne vois aucun concurrent face. Bien sûr qu'il y a eu, le président Tshisekedi a connu une certaine chute dans certains sondages, dans certaines zones, mais ce ne sont pas les évidences électorales. Parce qu'il y a la question de popularité qui n'est pas une question d'électorat. On peut être populaire comme George Weah au Liberia, qui était très populaire, mais qui a été battu par Ellen Johnson. Donc, c'est dire la popularité et l'électorat sont deux facteurs diamétralement opposés. On ne peut pas prendre la popularité pour la mettre sur une base d'électorat. Alors, peut-être pour finir, on a vu sur les réseaux sociaux, en tout cas, la démission. La lettre de démission de M. Jean-Marc Kabunda, donc elle a officialisé en tout cas sa démission. Que devient Kabunda? Non, d'abord, je salue ce courage-là. Je salue ce courage d'un pionnier. C'est quelqu'un qui a combattu, c'est un grand militant. Il a combattu pour la démocratie, il a combattu pour cet état de droit. Sinon, sa démission est consécutive du fait qu'il ne fait plus partie de l'UDPS. Le siège étant propre à l'UDPS, c'est tout à fait normal qu'il puisse jeter l'éponge, il ne pouvait plus rester, c'est l'UDPS qui doit chercher quelqu'un d'autre, ça c'est une procédure normale, non discutable. Que deviendra M. Kabound, lui-même sait qu'il sera, je sais qu'il a son ASBL qu'il est en train de diriger, est-ce que cet ASBL va muer en parti politique pour qu'il soit président national d'un parti politique? Mais en lisant sa lettre, je trouvais que de lui-même, il a fait savoir qu'il va mener sa politique comme député national, parce qu'un élu, il va mener sa politique comme député national. Les cartes qu'il garde, on ne sait pas, lui-même le sait, mais je ne pense pas le voir
dans les ruelles politiques, c'est-à-dire au bas de pâquerette, au plus bas niveau. Il avait atteint la sommité nationale sur le plan politique. Être vice-président de la, premier vice-président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas n'importe qui. Moi, je pense qu'il aura à préparer quelque chose de trop grand, mais qu'on ne rêve pas faire l'opposition contre Fatih. Ça, je ne pense pas. Pensez-vous qu'il pourra les faire ? Non, il ne pourra pas faire. Il pourra soutenir le chef de l'État avec sa propre formation politique, parce que je ne vois pas personnellement, tel que je connais M. Jean-Marc Kabound. Il y a des gens qui sont derrière lui. Hein. Bon, il y a des gens, parce que d'abord c'est un élu, c'est-à-dire là un électorat. Je ne vois pas de gens venir pour voir un mariage, par exemple, FCC Kabound. Moi je ne vois pas ça. C'est pas Katumbi. Moi je ne vois pas encore cette optique-là. Moi je pense que pour asseoir les acquis d'Étienne Tshisekedi, Kabound ne peut pas faire une opposition contre Fatih. C'est combattre les acquis d'Étienne Tshisekedi, qui se retrouve au sein de l'UDPS. C'est combattre l'Union sacrée, qui lui-même est compté parmi les artisans. Moi, je trouve aussi, on doit rester avec une tête dans la rationalité. Kabound pourra créer une formation politique chaude, forte, mais qui aura soutenir Tshisekedi, le président de la République. Merci. La dernière question, un message surtout à nos militaires et FARDC qui se battent en tout cas au niveau presque dans l'est du pays, parce que c'est presque l'est qui est touché par des violences. Et quel même message à la population congolaise? Sinon, par rapport à tout ce qui se passe dans la province du Nord Kivu, là j'ai félicite encore une fois de plus les FARDC pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils travaillent dans des conditions difficiles. Ce n'est pas tout le monde qui peut accepter de faire ce que les FARDC sont en train de faire là. Nous les soutenons. Nous invitons toute la population à pouvoir les soutenir. Toute la population à pouvoir dénoncer tout ce qui est infiltration, tout ce qui est acte de découragement, de cesser de pouvoir partager les messages, de pouvoir relayer les messages, les vidéos, les photos qui circulent sur les réseaux sociaux, qui sont l'émanation de nos ennemis. On montre des corps des morts, on montre des militaires tués au front. Il ne faut pas les partager. L'ennemi veut décourager la population. L'ennemi veut créer un divorce entre la population et les FARDC. Qu'on comprenne cela. Qu'on soutienne nos FARDC. Comme nous l'avons fait lors du M23, nous allions au front, qui avec un biscuit, qui avec une bouteille d'eau, que nous puissions les soutenir. Ces FARDC sont parents, ce sont nos compatriotes. Ils viennent de tous les coins des différentes provinces pour venir verser de leur sang ici au Nord Kivu. Que ces discours d'ordre tribal, d'ordre régionaliste, d'ordre discriminatoire soient jetés. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment, c'est archaïque. Et comme le disait Julien Paloukou, c'est moyenâgeux. Qu'on sache qu'on n'a qu'une seule armée, les FARDC. Il ne faut pas les critiquer comme on les voit dans les réseaux sociaux. Il ne faut pas les décourager comme on les voit dans les réseaux sociaux. Il faut les soutenir. Il faut apporter l'information qu'il faut à l'endroit qu'il faut. Il faut les encourager à pouvoir réussir. Parce que la seule chose que nous cherchons ensemble, c'est la paix. Rien que la paix au Nord Kivu. Le reste, nous savons que de nous-mêmes, étant un peuple entrepreneur, nous pouvons transformer le Nord Kivu en un Eldorado. Merci beaucoup, Dr. Patrick Barla, de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Mesdames et messieurs, merci également à vous de nous avoir regardés. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas. Vous pouvez les partager, vous pouvez laisser vos commentaires. Merci en tout cas, vous avez suivi Patrick Barla. Nous sommes revenus sur plusieurs questions d'actualité politique, sécurité. Merci en tout cas. Nous vous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Nous disons encore en tout cas merci encore une fois de plus à Patrick, parce que ça faisait un moment. Mais merci en tout cas d'avoir encore une fois de plus répondu à nos quelques questions, surtout en exclusivité sur Congo Live. C'est moi qui vous remercie. Congo Live, ça marche. Courage, allez de l'avant. Merci beaucoup. Nous vous fixons rendez-vous demain. Nous vous disons bye bye.